Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Mon Dieu, tu es
en ondes Bluetooth. Ben, bon matin, bienvenue à l'Église du Havre, bienvenue à cette étude qu'on va faire ensemble sur la parole de Dieu. Puis on est dans une nouvelle série. Le micro marche pas. Le micro marche pas. Pourtant, tu l'as essayé tantôt, montre-toi. Ah, ben, il est peut-être enlevé sur l'ordinateur. Ben oui, c'est normal. Essaye, parce que là, c'est, tantôt tu me dis qu'il fonctionnait. Fait qu'on t'arrête de tester le micro, juste au moment où on tombe en ligne. As-tu enlevé le petit piton jaune en arrière? Le CFL? Sinon. Tu peux mimer. Puis là, ça ne marche pas du tout encore. Je vais devoir y aller parce que je suis comme technicien maintenant que pasteur. Puis ensuite, je fais le ménage. Non, ça, on touche à tout. Et c'est ça. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore. Hein? Ben, monte ton volume, tu vas l'entendre peut-être. Non. Est-ce que quelqu'un venait faire des mimes pendant que je vais voir qu'est-ce qui se passe? C'est un caca. Hein? Ah, si le son ne rentre pas dans ton micro, mais... Le son ne rentre pas dans mon micro. Mais voyons. Je vais aller voir ça. Ah, ok, moi je sais c'est quoi. C'est comme l'ordinateur qui passe. Tu prends ton son ici, chérie. Ta micro, comme ça. Regarde. Je ne suis pas Israël. Je suis là pour des fins simplement de sonorité. Israël va revenir bientôt. Nous serons quand même dans Hébreux. Hébreux 1. Oh, mystère. Bonjour, bienvenue à l'Église du Havre. S'il y en a qui font du montage vidéo pour couper la première minute. Des fois, c'est des petits détails, c'est des petits pitons qu'on oublie. On va dire que c'est de ma faute. Ce matin, je commence une série sur l'Épître aux Hébreux. Et le titre qui était donné, c'est « Jésus est plus que tout ». C'est le titre que j'ai décidé de donner à cette série d'enseignement, puis qui va se poursuivre aussi au cours des prochaines semaines, puis je dirais même prochains mois, mettons, parce qu'il y a quand même 13 chapitres d'Hébreux, puis il y a beaucoup de choses à faire, à dire aussi, à étudier aussi sur la parole de Dieu, sur l'Épître aux Hébreux. Lorsque je dis que c'est moi qui ai choisi le titre, peut-être qu'il y a des prédicateurs qui vont entendre ce message et vont dire « Ben non, je n'ai donné un puis j'avais le même titre. » C'est parce que quand on lit Hébreu, on s'aperçoit que c'est ça le sujet, c'est Jésus. C'est la suprématie de Jésus, c'est la supériorité de l'œuvre de Christ. C'est on pourrait donner plein de choses comme ça, comme sujet, mais finalement, en bout de ligne, ça revient à dire que Jésus, il est plus que tout. Et même Hébreu nous parle beaucoup de l'excellence de la Nouvelle Alliance versus l'Ancienne Alliance. Mais encore là, si je vous dis ça comme titre, ça fait un titre ça de long. Puis pour quelqu'un qui fait juste voir le titre, il se dit de que c'est ou de quoi il va parler. Mais de parler de Jésus qui est plus que tout, ça nous parle plus, justement. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit encore et encore de différentes façons justement, ce sujet-là, que Jésus est plus que tout. Il vaut plus que tout. Il est l'apogée, le summum, la quintessence de tout. Ça pourrait être un autre titre aussi, en tout cas, c'est dur à dire. Il faut que je le lise pour être capable de bien le dire. Mais de tout ce qui est, Jésus est plus grand. Bien qu'on ne sait pas exactement ou précisément c'est qui les destinataires de cette lettre, parce que la plupart du temps, on savait qu'au départ, ça s'adressait à une église à tel endroit, à un groupe de croyants dans telle ville. Souvent, c'était ça, les lettres. Mais celle d'Hébreux, on ne le sait pas. Mais vu qu'elle porte le nom d'Épître aux Hébreux, on se doute qu'il y a une catégorie qui a été touchée plus précisément. Mais il s'agit quand même du livre du Nouveau Testament qui est le plus enraciné dans l'Ancien Testament, qui va nous parler avec le plus de références à l'Ancien pour nous montrer qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle alliance. Et pour nous aider à mieux le comprendre, on va d'abord regarder brièvement quelques généralités ou quelques petites notes par rapport aux Hébreux, à l'Épître aux Hébreux. Et ensuite, on va se pencher ce matin sur les quatre premiers versets de l'Épître
qui, dans certaines Bibles, s'appelle le prologue ou l'introduction. Ça a différents noms. Dans les quelques notes, avant d'aller plus loin dans l'Épître aux Hébreux, avant de regarder le texte comme tel, il faut le mettre un peu dans son contexte. Il est frappant de remarquer que cette lettre, elle ne contient pas de salutation d'usage, comme on retrouve dans presque toutes les lettres du Nouveau Testament. Habituellement, on a l'auteur qui s'adresse à tel groupe. Mais dans Hébreux, c'est bang, tout de suite. Il arrive avec son message, puis il décolle. L'auteur, il va directement comme ça. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il ne s'identifie pas l'auteur. Mais il termine sa lettre avec des salutations. L'Épître aux Hébreux est probablement parmi les 27 livres du Nouveau Testament, celui dont l'auteur est le plus mystérieux. Parce qu'il ne se nomme pas. Ou parce que c'est plus dur à déduire. C'est un peu comme si Dieu avait permis que, dans sa souveraineté, le texte nous vienne, ça nous vienne d'une façon anonyme, pour que Jésus ressorte encore plus au travers le texte, à travers la lecture de cette lettre. C'est comme si Jésus est encore plus grand que l'auteur humain derrière ces mots. D'une manière cocasse, cet auteur inconnu ajoute dans chapitre 13, verset 22, je vous ai mis quand même quelques références, mais il dit, « Je vous demande, frères, de supporter cette parole d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. » Pardon. Il est au 13e chapitre, à la fin du chapitre. La plupart des lettres du Nouveau Testament sont courtes, si vous avez lu les lettres, à part Romains puis Corinthiens, 1 et 2 Corinthiens. Les autres lettres, là, c'est toutes des courtes épîtres. Puis lui, il en arrive avec une qui est assez grosse, et il dit, hein, « Je vous ai écrit brièvement. » Il est un peu drôle dans sa façon de fonctionner. Ça veut dire que Paul, lui, à quelque part, c'est correct, lui, Paul, à quelque part, quand il écrivait des tout petites lettres, il était très condensé aussi. Et le langage de cette lettre, par exemple, c'est pas un langage qu'on retrouve chez l'apôtre Paul. Je vous donne un exemple au chapitre 2, verset 3, ça dit ceci. « Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. » Paul, au contraire, dans ses lettres, il disait que qu'est-ce qu'il annonçait aux autres, qu'est-ce qu'il écrivait aux autres, aux destinataires de ses propres lettres, que ça venait qu'il avait reçu directement du Seigneur le message de l'Évangile. Alors que l'auteur ici lui dit que le message qui a été envoyé a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. C'est comme s'il ne s'identifiait pas comme quelqu'un qui l'avait reçu au départ de la part de Christ, alors que Paul lui disait ce que j'ai reçu vient directement de Dieu. Est-ce que c'était Apollos? Est-ce que c'était Barnabas? Est-ce que c'était Luc? Ce sont plusieurs suppositions qui ont passé. On l'ignore. Mais selon 13:19, la manière que c'est écrit, l'auteur était connu des destinataires. Parce qu'il dit ceci. Hein? C'est avec instance que je vous le demande de le faire, afin que je vous sois rendu au plus tôt. C'est comme si l'auteur connaissait les destinataires, puis il leur demandait, c'était un contexte de prière, il dit « Priez pour moi afin que je vous sois rendu plus tôt ». Donc, on imagine qu'il était en prison ou encore d'une façon ou d'une autre empêché d'aller les voir, mais il était connu des destinataires. Il y en a qui pensent que, il y a des commentateurs qui pensent que cette lettre était à l'origine une série de prédications. C'est qu'il avait prêché, puis il y en a quelqu'un qui avait sorti ça, puis il avait envoyé la série de prédications. Quand je vous dis que c'est une des épîtres les plus mystérieuses au niveau de l'auteur, c'est un peu pour ça. Mais le thème principal de l'Épître est sans contredit la suprématie totale de Jésus-Christ, appelé Fils de Dieu. Sa supériorité majestueuse aussi comme grand prêtre. Jésus est plus que tout. Il est supérieur aux anges, supérieur aux alliances, à Moïse, à Josué, supérieur aux prêtres, supérieur aux sacrifices sous l'ancienne alliance, et etc. La lettre a probablement été écrite avant l'an 70. Et ça, pourquoi? Parce qu'en 70, le temple a été détruit. Mais dans Hébreux, ça nous parle encore de ce qui se passait dans le temple, les sacrifices et toutes ces choses-là. Donc, il a probablement été écrit avant que ça se passe.
Et peut-être, il y en a qui croient que ça a peut-être été écrit autour des années 64, 65, après Jésus-Christ, là, mais pendant la persécution sous Néron. Parce qu'on sent que les Hébreux, ici, dans ce contexte-là, sont éprouvés. Et en même temps, l'auteur semble être aussi en prison, ou enfin empêché de se promener, d'être libre totalement. Bien que des détails quant au destinataire de la lettre nous soient inconnus, on ne sait pas si c'est les Hébreux qui sont en Grèce, les Hébreux qui sont en Asie mineure, on ne sait pas. Mais il est évident que qu'ils connaissaient l'Ancien Testament, les lois, le système de sacrifice, les rituels. Il semble qu'ils étaient croyants et même chrétiens, c'est-à-dire qu'ils croyaient en Christ comme sauveur personnel, qu'ils croyaient que Christ était le Messie. Donc, des Juifs convertis, d'où le titre de la lettre, l'Épître aux Hébreux. Mais quel était le but de cette lettre-là? Dans quel but elle a été écrite, cette lettre? Puisque Jésus est plus que tout, et que l'auteur expose la supériorité majestueuse sur tout et aussi la toute suffisance de Christ pour notre salut, ceux à qui l'auteur écrit semblaient être en danger de s'éloigner de Christ, d'aller à la dérive. Et il y a quelques versets qui nous apportent ça, dont Hébreux 2, 1. Ça nous dit ceci: « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. » Il y avait un danger de dérive de la part de ces auteurs-là. Pas des auteurs, mais des destinataires. On retrouve encore dans chapitre 6, versets 4 à 12, un peu la même idée. Chapitre 10, versets 26 à 39, encore la même idée de rester persévérant parce qu'il y a un danger de s'éloigner de la doctrine. S'ils étaient persécutés, on peut dire que la tentation était très réelle de s'éloigner parce que le prix à payer était lourd. Surtout pour un Hébreu, un Juif. S'il était en dehors du pays d'Israël, il était persécuté de deux fronts. Parce qu'il était Juif par les Juifs, parce qu'il était chrétien par les Romains. Quand je dis qu'il était persécuté par les Christ, par les Juifs, c'est parce qu'eux croyaient en Christ. Et ils se trouvaient persécutés de par les Juifs et de par les Romains. Donc, ça leur coûtait cher de croire en Christ. C'est pourquoi on retrouve souvent dans l'Épître aux Hébreux des exhortations à persévérer, à demeurer attachés à la foi qu'ils confessaient. Et aussi de ne pas revenir à l'observation de la loi. Parce que ça aurait été facile de dire, « Ben écoute, c'est le même Dieu, fait qu'à quelque part, si on reste dans la loi et on retourne à la loi, ben c'est plus facile de vivre parce qu'on sait quoi faire et quoi ne pas faire. » Ce qui était la loi. Et l'auteur leur dit de ne pas retourner à ces rituels qui sont maintenant désuets. C'est un livre qui est très bien construit. On l'a étudié il y a quelques temps, je pense, là, les mercredis, sous forme de table ronde, en ligne. Mais on l'a étudié les mercredis, puis en regardant ça, fait que c'est un des livres que je voulais approfondir un peu plus. Mais on voit que c'est un livre qui est très bien construit, qui est rempli de richesses, à la fois doctrinales et pratiques, même pour notre vie à nous, croyants du 2022. Je crois que d'annoncer la toute suffisance de Christ, sa supériorité, sa suprématie, ça ne devrait jamais être ennuyeux pour un enfant de Dieu. La tendance qu'on a tous, c'est de constamment ajouter quelque chose à l'œuvre de Christ. On a toujours cette petite tendance-là. Et c'est ce que font les sectes, et c'est ce que font les doctrines farfelues et les fables de toutes sortes. On a toujours tendance à vouloir ajouter à ce que Christ a fait. Parfois, pour le salut, on a compris que la suffisance de Christ était là. Mais après ça, pour notre marche, on se dit, « Ah, mais si je fais ça, peut-être que là, il va m'écouter plus. »
Puis on rajoute toujours à l'œuvre de Christ en se disant, je peux être mieux approuvé par Dieu en faisant ça. On a besoin de revenir à Jésus-Christ seul, de l'élever, de le contempler et de trouver notre joie et notre identité en lui. Et si vous avez le désir d'entendre parler de Jésus dans les semaines à suivre ou à venir, ben vous êtes au bon endroit. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble, la suprématie de Christ, que Christ est plus que tout. Tournez avec moi si vous n'êtes pas déjà là, dans Hébreux chapitre 1. Et on va regarder ensemble comment Jésus est plus que tout. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 4, ça nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Et c'est sur ce texte qu'on va se concentrer au cours des prochaines minutes qui vont suivre. Dès le départ, l'auteur met la table en présentant immédiatement la supériorité de Christ et la supériorité de la révélation de Dieu en Jésus-Christ, Fils de Dieu. En fait, ces quatre versets-là, c'est un bon résumé de qu'est-ce qu'il va avoir au cours des 13 prochains chapitres. Et au travers de ces quatre versets-là, on trouve 8 affirmations au sujet que Jésus est plus que tout. Et c'est ce qu'on va regarder rapidement ce matin. 8 affirmations au sujet de Jésus. La première, comme Fils, Jésus est la révélation finale de Dieu. Ça dit au verset 1 et le début du verset 2, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. » Depuis le début de la création, Dieu s'est révélé comme un Dieu qui parle. Dès les premiers chapitres de Genèse, dès le premier chapitre de Genèse, on voit que Dieu a une relation avec l'être humain. Et ça nous dit qu'il descendait dans le jardin puis il parlait à nos premiers parents, qui passaient du temps avec eux puis jasaient avec eux. Déjà, dès le début de la création, Dieu est un Dieu de relation, un Dieu qui parle. Puisqu'on a été créé pour connaître Dieu, puis le glorifier, puis avoir justement une relation avec lui, sa révélation nous était indispensable, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas connaître qui est Dieu. On ne peut pas comprendre qui est Dieu, parce que Dieu est en dehors de toute notre conception totale. Alors que beaucoup vont dire que la Bible, c'est un vieux livre, puis il nous parle de vieux concepts, mais c'est la révélation de Dieu, c'est la révélation de qui il est. Puis il y a beaucoup de concepts dans la Bible qu'un homme n'aurait pas pu inventer. Paul le dit dans Romains 1, 19 à 20, je vous le lis. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. » Dieu s'est d'abord révélé par sa création. Souvent, on appelle ça la révélation universelle ou la révélation naturelle de Dieu. C'est que tu regardes la nature puis tu te dis, il y a quelqu'un derrière ça. Hein, on a déjà entendu l'exemple de, si on regarde un horloge ou une montre, on dit, hey, il y a quelqu'un derrière ça. Il y a un horloger, il y a quelqu'un qui a inventé ce concept-là, qui a fait fonctionner cet appareil-là. Mais en regardant la nature, c'est la même chose. On regarde, puis il y a des lois qui existent, puis ces lois nous montrent qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça. Il y a quelque chose qui est derrière ça. C'est ce qu'on appelle la révélation naturelle.
mais ça nous dit aussi que Dieu s'est révélé par sa parole. C'est une révélation particulière, une révélation spéciale. C'est-à-dire que sans cette révélation-là, on n'aurait pas pu le savoir que Dieu, comment Dieu était, comment Dieu est. Mais aussi par des actions miraculeuses. Dieu a fait des choses miraculeuses par des apparitions, des rêves. Et c'est pour ça que parfois, il y a des prophètes, il y a des choses comme, il y a des gens comme ça qui ont pu connaître un peu plus sur Dieu. Mais aussi par des circonstances spéciales, des circonstances dirigées par sa souveraineté. Par exemple, des fois, il y a des gens qu'on va croiser sur notre route puis qui vont nous parler de Dieu ou encore, ils vont agir d'une telle façon pour s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui a dirigé cette rencontre-là. C'est comme si, là, il y en a qui vont dire, ah, c'est comme si l'univers avait tout pointé vers ça. Mais toutes ces paroles-là, ce sont des façons de pouvoir admettre que c'est Dieu qui a dirigé toute chose. Parfois, c'est par aussi des paraboles, des exemples de la nature, des exemples autour de nous, par des prophéties. Il y a plusieurs façons dont Dieu a parlé à l'homme, que Dieu est rentré en contact. Tous les récits puis les livres de l'Ancien Testament nous montrent que Dieu a parlé à nos pères, à nos ancêtres. Et ça, depuis l'origine du monde, à de multiples fois, à de multiples manières. Et c'est ce qu'il dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, puis là, il y en nomme des choses. Il a utilisé ses nombreux porte-paroles pour parler aux êtres humains. Il aura fait des révélations, Dieu a fait à l'être humain une révélation progressive. Le peuple juif, au début, en connaissait moins sur Dieu qu'on en connaît aujourd'hui, en quelque sorte. Parce que la révélation a été progressive. C'est pour ça, parfois, que dans l'Ancien Testament, on a des histoires, puis on se dit, « Ah, mais comment ça qu'ils faisaient ça, eux autres? » Il me semble que c'est pas correct. Ou c'était pas... C'est parce que Dieu ne s'était pas encore révélé dans son entièreté, encore à eux. Par exemple, avant la loi, ils ont été sur un système qui était pas comme la loi. Fait qu'eux, ils apportaient des sacrifices à Dieu, puis il y avait ce petit côté-là, dont, par exemple, Job, que pour expier ses péchés, ben il faisait des sacrifices un peu pour ses enfants, puis tout ça. Mais après ça, quand la loi est arrivée, on s'aperçoit que c'est chaque personne qui devait le faire. Dieu s'est révélé comme ça. Il a continué à se révéler. Mais toutes ces révélations étaient incomplètes et conduisaient vers une révélation définitive et parfaite. Et ça, c'est le Fils de Dieu, c'est Christ. C'est la parole incarnée, c'est Jésus-Christ, c'est la parole finale de Dieu. En fin de compte, si on paraphrase le texte, ce serait comme de dire, en fin de compte, avec plusieurs manières, dans ces derniers jours qui sont les derniers, c'est-à-dire les temps de la venue du Messie, Dieu a parlé d'une manière définitive en Jésus, son Fils. Et la suite nous présente la prééminence de cette révélation finale qu'est le Fils. Parce que ce Fils, c'est l'héritier de toutes choses. C'est une autre façon de dire que Jésus a tout reçu de son Père. Non pas qu'il y a, parce qu'il y a des sectes, il y a des croyances, il y a des gens qui croient que Jésus a été créé par Dieu. Et ils vont appuyer leur croyance avec des versets comme ça en disant « Ah, ben gars, il était héritier, donc il est le Fils, il a été créé. » Mais, au contraire, c'est un titre qui a été donné à Christ tout comme en étant fils. C'est un titre qui a été donné à Christ parce qu'il nous a dit qu'il a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom et le nom de Seigneur. Et Seigneur, c'est le même mot que Dieu, Kyrios, dans Philippiens 2, 9 à 10. Selon Matthieu 28, 18, Jésus dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. » Sa suprématie est démontrée par le fait qu'il avait reçu en héritage le titre de fils, le titre d'héritier. Et il a fait de nous quoi? Ses co-héritiers. Mais ça, c'est une autre étude plus tard. Mais il avait reçu tout de du Père. Ça nous dit qu'un jour, tout genou va fléchir devant lui et toute langue va confesser qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Toute langue va confesser qu'il est
si on traduit littéralement, qu'il est Dieu à la gloire du Père. Donc, le Fils, il est héritier, il possède toutes choses dans l'univers. Puis là, vous allez voir, il y a plus que ça, parce que, en plus d'être héritier de l'univers, ça nous dit que le Fils est l'agent créateur de toutes choses, au verset 2. Ça dit, il a établi héritier sur toutes choses, mais par lui, il a aussi créé l'univers. Si on lit Genèse chapitre 1, verset 1, ça nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ou le ciel et la terre. On a dans ce texte que c'est Dieu qui a tout créé. Et si on prend le mot Dieu dans ce texte-là, dans Genèse, c'est un Dieu pluriel. C'est comme si on dirait les dieux, en quelque sorte. Mais dans le texte ici, dans Hébreu, ça nous explique pourquoi. Ça nous dit qu'il y a un agent créateur de toutes choses et c'est Jésus-Christ. Le Père a confié au Fils la tâche de tout créer l'univers. Pourtant, au début, ça nous dit que c'est Dieu qui a tout créé, mais c'est le Fils qui a créé. La logique, c'est quoi? C'est que le Fils est Dieu. Ce monde n'est pas un univers figé, mais ordonné, puis il se met en mouvement à travers les âges. Tout l'univers porte sa signature. Jean 1:3 nous dit « Tout a été fait par elle », en parlant de la parole, « et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Tout a été fait par Christ, par Jésus, Fils, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, en parlant de la parole. Et ici, on va à Jean 1:14, ça nous dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. » Donc, Jésus est le Créateur, est l'agent créateur de toutes choses. Mais Jésus est aussi la parfaite représentation de Dieu le Père. Ce sont des mots très percutants. Ça nous dit, au verset 3, « Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. » Ou, je pense que c'est la version sommaire, ça dit « Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. » Jésus, c'est l'empreinte même de Dieu le Père, le resplendissement de la gloire de Dieu. On se souvient que Jésus a dit à Philippe, dans la chambre haute, la veille de sa mort, Philippe a dit « Montre-nous le Père. » Et Jean 14, 9 nous dit que Jésus a dit à Philippe, il dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est la représentation exacte du Père. Lui et le Père sont de la même essence. Quand Jésus a dit, quand Philippe a demandé, « Montre-nous le Père, c'est montre-nous Dieu. Hein? » Il voulait dire, c'est comme si Philippe ne comprenait pas encore que Jésus était l'égal de Dieu. Puis il dit, « Ben, j'aimerais voir Dieu. » Puis Jésus lui répond, « Ben, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu Dieu. » Lui et le Père sont de la même essence. Et c'est ce que nous dit Hébreux ici, que Jésus-Christ est le reflet de la gloire, l'empreinte de sa personne. En plus d'être tout ça, Jésus est aussi, il est le soutien de la création, verset 3b. Hein? Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Comme Jésus a tout créé, étant l'agent créateur qu'on a vu tantôt, il n'a pas abandonné sa création ou sa créature, mais il la préserve, il la soutient. Puis il la soutient avec toutes les lois scientifiques que l'être humain a découvertes. Puis il n'y a pas tout découvert, l'être humain. Il va y avoir d'autres découvertes scientifiques là, qui vont poursuivre. Mais toutes ces lois que l'être humain a découvertes, a mis en mots, parce que Newton, quand il a découvert la gravité, elle existait avant qu'elle découvre. Hein? On a cette notion-là de trouver quelqu'un qui dit « Hey, mets en mots quelque chose, puis c'est toi qui le découvres. » Mais ça, c'est notre petit côté... Enfin, on ne rentrera pas là-dessus. Mais tout ça pour dire que toutes les lois scientifiques qui ont été nommées et
expliqué, compris par l'homme. Christ, lui, c'est lui qui les a inventés, mais il soutient la terre, la création avec ça. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, il soutient et conserve tout en parfait équilibre par la puissance de sa parole. Ce sont toutes des choses qu'on va voir au cours des prochaines semaines. Parce que ça, c'est un peu un résumé de l'épître, une introduction qu'on fait ensemble ce matin. Ayant créé le monde par sa parole, il continue à le préserver par sa parole. Et ça, c'est un Dieu merveilleux. Oui, Dieu nous a créés. Il a fait l'homme à son image. Il a fait l'homme pour être en relation avec lui. Mais il continue, il désire être en relation encore aujourd'hui avec nous, avec sa créature. Et le verset 3 le dit, il a fait, la suite, hein, il a fait la purification des péchés. Le Christ a accompli la purification de nos péchés. Jésus est supérieur à tout parce qu'il a lui-même porté nos péchés sur la croix à notre place. Et ça pour nous purifier puis nous réconcilier avec le Père, pour qu'on puisse retrouver cette relation avec le Père. Comme l'auteur va l'expliquer un peu plus loin, l'auteur aux Hébreux de l'Épître, bien, ça nous dit qu'il est notre souverain sacrificateur parce qu'il s'est offert lui-même une fois pour toutes pour le pardon de nos péchés. Et ça va être des messages dans quelques semaines qu'on va développer un peu plus ces points. Mais ça nous dit que Christ, c'est lui qui a accompli la purification de nos péchés. Et la suite nous dit aussi, « Et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le Fils occupe la place, la plus haute place dans l'univers. » L'aboutissement de son ministère sur la terre est décrit d'une manière sublime. Après sa mort, pour nos péchés, après son ensevelissement et sa résurrection, ça nous dit que Jésus est monté au ciel, dans le texte, nous montre 40 jours plus tard, mais qu'il s'est assis à la droite du Père où il intercède pour nous jour et nuit. Paul dira, il n'y a plus personne, qui accusera les élus? Hein? Il n'y a personne qui peut les accuser parce qu'on a un défenseur, on a un avocat, puis Jean, lui, le dit qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Il n'y a pas de place plus élevée que la sienne. Dieu est décrit comme majesté divine. Christ est décrit de la même façon. Il est celui qui n'a personne au-dessus. Christ est exalté. Il a la plus haute place dans l'univers. Et quelle est la plus haute place que celle de Dieu? Il n'y en a pas. Et le verset 4 nous dit, « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. » Beaucoup pensent, même dans la pensée juive, que les anges avaient un ministère excellent, plus excellent, puis qu'ils ont un accès auprès de Dieu. Puis on peut imaginer plein de choses, là. Et même les dominations dans les cieux. Mais même ceux qui auraient pensé ça, Épître aux Hébreux nous dit que le Fils est supérieur aux anges. Je ne l'avais pas. Christ est supérieur aux anges, puis je vous dirais par son nom, parce qu'il est le Fils. Et ça, c'est la huitième affirmation dans ces quatre versets-là. Quant à sa supériorité, ça touche aussi cette question des anges. Christ l'aurait bien supérieur puisqu'ils sont des créatures de Dieu à son service. C'est Christ lui-même qui les a créés. Et ça, on va se pencher un peu plus en détail, juste déjà la semaine prochaine à ce sujet-là, sur le sujet des anges par rapport à leur service pour Christ, par rapport à ce qu'ils sont pour Christ, et même en quelque sorte par rapport à ce qu'ils sont pour nous. Avec ces quatre versets-là, on a l'essentiel, le résumé de ce qu'on va voir au cours des prochains mois. Déjà, on a 8 affirmations qui nous disent que Christ est supérieur à tout. Christ est plus que tout. Oui, on peut dire que Jésus, le Fils, est plus que tout. Il est la révélation finale de Dieu, héritier de tout, l'agent créateur de tout, la parfaite représentation de Dieu, le Père. Il soutient sa création, il a payé la dette de nos fautes, il s'est assis à la droite du Père, il est adoré par les anges,
Jésus mérite plus que tout le meilleur de nos vies. Est-ce que Jésus est ta raison de vivre? Est-ce qu'il est l'objet de ton affection, de ta passion? Est-ce que tu le connais comme Sauveur et Seigneur? On va voir des textes qui nous parlent de l'orgueil. Aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur dans les prochaines semaines. Mais je pourrais déjà vous dire aujourd'hui, si tu ne le connais pas comme Sauveur et Seigneur, viens à lui, il t'attend. Et c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines, celui qui est plus que tout. Prions. Merci Seigneur pour cette place que tu occupes dans l'univers, la place la plus haute. Lorsqu'on s'adresse à toi, on s'adresse au Dieu de l'univers, au Dieu créateur, au Dieu sauveur, au Dieu Seigneur. Seigneur, ça nous dit justement dans Philippiens qu'un jour tout genou va fléchir devant toi. On ne sait pas exactement quand. Comment? De quoi ça va avoir l'air? Mais on sait, Seigneur, que ta parole s'est toujours accomplie. Et ta parole est la vérité. Alors, Seigneur, on soupire à ce jour où on sera à genoux devant toi, à reconnaître ta seigneurie sur nos vies, ta majesté, à reconnaître que tu es plus que tout. En attendant, Seigneur, on veut te donner le meilleur de nous. Non pas que ce meilleur vaut beaucoup, mais Seigneur, c'est tout ce que nous, on peut se remettre à toi. C'est nos vies. Alors qu'au travers de ces semaines, qu'on va passer au travers de ce livre, cette épître, que tu puisses toucher nos cœurs et faire grandir notre compréhension de toi, de réaliser combien tu es plus que toute chose, que tout ce qui est. Et cette prière, nous te l'adressons dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Maître. Amen. Je souhaite une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine à la même heure, même poste. Et en semaine, bien, il y a toujours des études. On est dans l'Épître aux Corinthiens. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours écrire sur la page Facebook à partir du Messenger, puis nous dire que vous aimeriez avoir assisté, c'est en Zoom. Donc, on vous enverra les liens, puis ce qu'il faut, puis on pourra jaser avec vous. Bonne semaine.